En 1833, un groupe de catholiques, dont Frédéric Ozanam, ont créé à Paris, pour aider les personnes en difficulté, la société Saint-Vincent de Paul. En ce moment, 800 000 bénévoles y travaillent dans 148 pays différents. De nombreuses associations caritatives existent en France. Elles sont environ 1 million à aider 6 millions de personnes vivant dans la précarité. À Salon de Provence existe une antenne, le grenier Ozanam, faisant partie de la société Saint-Vincent de Paul. Pour aider les personnes en difficulté, cette société travaille sur la vente de meubles et d'objets en tout genre, sur la redistribution des gains aux familles dans la précarité, ou bien sur le don de vêtements et distribution de nourriture. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis ici pour espérer trouver une bonne affaire, chiner une bonne affaire pour chez moi. De préférence, quelque chose de pas excessif et d'assez plaisant. Comment avez-vous appris l'existence de cette association? Bouche à oreille, des amis qui sont dans diverses églises et qui sont déjà venus ici. Accordez-vous de l'importance à la dimension religieuse de cette association? En toute franchise, pas totalement, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a des gens qui donnent encore pour des personnes défavorisées et que ça permet d'avoir des belles choses à des tarifs plus ou moins accessibles. Donc je trouve ça assez important, oui. Donc le côté religieux, indirectement, a une importance, oui. Nous sommes dans la boutique, lieu clé de ce bâtiment. C'est ici que sont entreposés les vêtements, la lingerie et le linge de maison qui sont présentés tous les jeudis aux clients. Ici, c'est un endroit qui plaira beaucoup à nombreuses personnes d'entre vous. C'est le grenier aux jouets. C'est un endroit qui contient des livres, des CD et des jouets pour les enfants de tout âge. Et il y a beaucoup de choix. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes quelqu'un qui travaille dans cette association. Alors tout d'abord, on voudrait vous demander quel est votre rôle ? Je suis employé polyvalent, je monte, démonte les meubles, je les remonte, je les retape un peu, je déménage les meubles, c'est moi qui vais les chercher, qui les ramène, qui les remonte. D'accord. Voilà. Et depuis combien de temps exercez-vous ici? Depuis 2006. Ça, c'est pas le salaire hein, qui fait qu'on est là. Hein. Ouais, je vois. Donc si t'as pas la foi ou tu crois pas en ton prochain, non, t'as aucune chance de faire. Enfin, on fait pas ce travail pour le salaire, quoi. On le fait parce qu'on croit qu'on va aider les autres et on y croit à fond. Comme ce monsieur, ils sont 25 à travailler dans cette association et à venir en aide aux plus démunis.